Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Le quintet de mardi 14 février sera Paris 25 sur une distance de 2100 mètres, grand et petite piste autostar. La course sera à gauche. La piste en marche. Ce quintet se déroulera sur la première course de ce réunion. Il sera 14 départs de ce quintet avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 4, la Caduque, 10 contre 1. Le 5, Jean-Philippe Monclin, 5 contre 1. 6, le Bourgeois, le 11, 11 contre 1. Le 7, Drux, 7 contre 1. Le 8, Damien Bon, 4 contre 1. Et enfin le 14, Eric Raffin avec 4,5 contre 1. Les grands favoris donnés à la fois, le 8, 6 fois et le 14, 3 fois. Il fallait de la vitesse pour terminer ce parcours. La ligne d'arrivée à 250 mètres. Il y a une école d'entraîneurs de M. Leblanc et là le 6 et le 14. La sélection de deux chevaux sera 14-5, le tuyau le 8 et les belles chances on a le 6, le 7, le 11, le 4 et le 9. Au bas du tableau, on trouve les gros tocards qui peuvent démonter les rapports de ce quintet. On a le 13, le 12, le 2 et le 10. On a aussi des belles outsiders. On a 4 belles outsiders comme le 11, le 9, le 1 et le 3. Nous passons maintenant aux bases de ce quintet. Première base, le 8. Deuxième base, le 14. Possible pour le 5. Les As ont donné 4, 7, 9 et Curry. 6, 14. Entraîneur en forme, 8, 13. Et Jockey en forme, 9, 13. Voilà le classement de ce bel quintet sur 2100 mètres Autostar. On a les 6 grands favoris en 8, 14, 5, 7, 4, 6. Les outsiders 11, 9, 1, les tocards 3, 13, 12 et les non-cités. On a deux chevaux, le 2 et le 10. Comme vous voyez, le pronostic gratuit que je peux vous donner. Deux bases de champ réduit. On a le 14, 5, 9, 8, champ réduit et vous ajoutez 13, 12, 2, 6. La deuxième base, 14, 5, 9, 4, champ réduit, et vous ajoutez 13, 12, 2 et 6. Les surprises qui peuvent glisser un ou deux concurrents qui peuvent glisser dans l'un. On a 5 chevaux, on a le 10, le 1, le 11, le 13, le 3. Les coupés que je peux vous donner, on a le 14. Pas solide avec le 5, avec le 9, avec le 4. Allez, bonne chance. On va passer maintenant au pronostic des journaux ou des sites préférés pour vous. La base de 3 chevaux, 8, 5, 14. Confidentiel, 5, 7, 8, 9, 3, 4, 6, 11. Pourquoi pas pour le numéro 1. La liste type, le classement 5, 8, 14, 6, 7, 11, 4, 9, 1, 3, 13, 12. Les étoiles pour le numéro 14 et les meilleures chances pour le 4, 3 fois et 2, 2 fois. L'analyse a préféré le 4 gagnant, puis le 9, 5, 2, 8, 11, 6, 3, 14, 13. Ono Equidia, 14, 7, 8, 4, 13, 3, 5, 11. La Gazette de course 8, 5, 14, 11, 4, 6, 7 et 9. Et nous passons au pronostic de Paris Tuf par Cédric Broquette. Elle a mis le 8 en tête, puis le 5, 14, 7, 4, 8, 6, 11, 9. Chance régulière 1, 3, 13, 12. Les outsiders pour lui, c'est le 2 et le 10. Que la dernière mise sera le 8. Et le coup de folie sera le numéro 1. Pronostic des meilleurs entraîneurs d'athlètes. Ils ont donné 8, 5, 14, 5 fois, 7, 4, 6, 4 fois, 11, 9, 3 fois, 1, 3, 2 fois,
Et les non-cités pauvres, 13, 12 locations d'une sécurité, c'est le numéro 14. Les non-cités par l'ensemble de la presse, le 2 et le 10. Alors, voyons, le niveau de cette course est toujours vraiment difficile, comme aujourd'hui. Le temps ensoleillé à 10 degrés, terrain sera bon. Alors, que les chevaux opèrent pour vous dans le jumet en analysis, le spécialiste le 8 et la découverte sera le numéro 1. Nous passons maintenant aux favoris des médias, par classement. Le 8, premièrement, le 14, le 5, le 7, le 11, 4, 6, 9, 10, 13, 3 et 12. Alors que la conclusion de Paris Course, leur base de 3 chevaux 7, 8, 14, Trio 5, 4, 6, Outsider 9, 11, Encadrant partant le 12, et l'Outsider 6, 12, 11 sera le numéro 11. Le passé de ce quintet. Il n'y a pas de passé, seulement des courses similaires. Ces courses n'ont pas servi pas au support de CRC. Alors, vous voyez que ce sont... La course n'est pas facile, très, très difficile. Alors, qu'on peut... envisager à des surprises dans ce quintet. Deux tocards jusqu'à trois tocards ou un outsider plus deux tocards ou deux outsiders plus un tocard, c'est ça que je peux vous dire. Vous prenez deux favoris parmi les six favoris que j'ai donné, vous faire des bases spéculatives pour que nous puissions affronter à un quintet très vraiment difficile. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous souhaite toujours des bons gains, des bons rapports. Je vous retrouverai demain à la même heure pour vous donner mes infos sur le quintet de mercredi. À ce temps-là, je vous souhaite bonne soirée et bon rapport. Et à bientôt.